consolider nos acquis dans un environnement hostile aux partis politiques. Tel était le thème de la 4e conférence nationale du parti Yelema. Et oui, le changement qui a eu lieu ce dimanche 5 mars 2023 au Centre international de conférence de Bamako. Plus de précisions dans ce reportage. Je suis sincèrement fier. Je suis fier de voir le parti. Parce qu'il n'y a pas de doute, Yelema d'aujourd'hui est beaucoup plus gros que Yelema d'hier. À Yelema, nous avons choisi de faire la politique sans contrainte et en toute liberté pour aider notre pays vers le chemin du progrès et de la justice. Nous devons être capables, après avoir tiré les leçons de ces échecs, d'imaginer le renouveau de notre société et aller progressivement vers la construction d'une nation forte, respectueuse des droits, garant de l'intérêt général et exerçant la plénitude de ses fonctions sur l'entièreté de notre territoire. Autant nous devrons être exigeants envers nous-mêmes, autant nous devrons l'être avec les autres. La renaissance tant souhaitée ne saurait être une réalité que si chacun se remettait en cause. Je vais parler de notre armée qui, à travers ses dysfonctionnements internes et sa gouvernance opaque pendant des décennies, a contribué à la faillite de notre État. Je vais aussi parler de certains de nos notabilités et de nos légitimités religieuses et traditionnelles, inféodées à tous les rois du jour et incapables de dire la vérité lorsque cela s'impose. Enfin, parler d'une catégorie d'acteurs de la société civile que certains qualifieraient d'hybride, mi-société civile, mi-parti politique, jamais l'un ou l'autre. Tous ont contribué à la déchéance de notre nation pendant des décennies. Notre parti a décidé de soutenir la réussite de la transition, et cela sans contrainte, ni pression, et en toute responsabilité. Nous souhaitons qu'on évite d'inventer des adversaires partout. Nous ne sommes pas des adversaires de la transition. Il faudrait que cela soit entendu et que cela soit compris. Nous sommes plutôt des adversaires aux mauvaises pratiques, aux mensonges et à la manipulation. Nous continuerons donc à soutenir la réussite de la transition dans la vérité et dans la transparence. Et cela en accord avec nos principes et nos valeurs. Notre formation politique entend jouer sa partition avec l'ensemble des forces vives de notre pays. Nous avons mis l'ambition de faire de notre parti politique une véritable institution politique. Pour ce faire, ça a été dit avant moi, nous avons engagé le processus de la création de la fondation de notre formation politique, désormais dénommée la Fondation pour le progrès et la justice, pour soutenir la très forte demande sociale de nos concitoyens qui est en phase de finalisation. Aussi, nous avons engagé et bouclé le processus de création de notre Académie Yelema, qui contribue depuis plus d'une année au renforcement des capacités des cadres du parti, des militants et d'autres citoyens. Dans le cadre de la mobilisation des ressources, en rapport avec les ambitions du parti, un plan de mobilisation a été développé pour servir de base dans la démarche de mobilisation des ressources. Le parti, malgré les contraintes, arrive à prendre en charge ses dépenses grâce en partie à la cotisation des membres du CEC et aux dons de nos responsables. Cette conférence que nous vivons aujourd'hui en est une parfaite illustration, prise en charge 100% par les militants. 100% par les militants. Le parti Yelema existe. Et le parti Yelema est sur le chemin, le bon chemin. Doudou Baba Info, revue de la semaine. Revue de la semaine. Doudou Baba.